Hey, salut les rivals, on se retrouve pour un nouvel épisode. Comme promis, je vous fais le prochain dragon, le garde-brise, décidément avec les noms j'ai du mal. Donc c'est le healer de Century. Pour revenir, donc on a l'élan salvateur qui vous transporte vers l'allié, lui donne du bouclier et vous en donne aussi, et le heal. Fumigation, qui pour moi est le meilleur des deux derrière, qui permet de mettre du gaz partout et de faire mal à tout le monde et d'empêcher de voir les gens à travers. Donc, du coup, je vous laisse là, je lance une partie et dès que je suis dedans, je vous retrouve. Et nous y voilà. Donc, moi pour moi, c'est fumigation le meilleur. Donc, on va mettre ça. Pardon. Donc désolé s'il y a un petit peu de bruit autour, je fais ça très tôt le matin parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc vous attendez pas à ce qu'elle fasse des gros dommages, parce que ça reste quand même l'assist du groupe, mais elle se débrouille bien quand même, dans l'ensemble. Elle est plutôt agile comme dragon, parce que je pense que c'est une femelle, elle a une gueule de femelle quand même. Ok, nous y voilà. Donc, toujours pareil, je vous fais les deux modes. Là, on est dans le mode carnage. Là, le truc que je trouve bien, moi, c'est de mettre du gaz ici, parce que c'est là où on peut récupérer de l'endurance. Donc, j'en mets là. Comme ça, ça couvre un peu les alliés. Sont mes alliés d'ailleurs. Ah, on a une victime ici. Ouais, on l'a eu. Là, lui, il a perdu de la vie. Hop, je lui rends. Donc le mieux, c'est quand même de suivre ses alliés pour les couvrir un petit peu, faire de l'assist sur les joueurs d'en face. Hop, je vais reposer mon gaz ici, histoire de foutre un petit peu la merde. Voilà. Comme ça, mes alliés peuvent rentrer et sortir ici pour se couvrir. Ah, il y en a dans mon gaz. Il y en a plein dans mon gaz d'ailleurs. On va aider mon pote, voilà. Oh. Oui, je fais un peu le planqué parce que c'est pas vraiment un dragon d'attaque, vous voyez, donc faut pas non plus que je fasse le foufou. Je sais pas ce que font mes alliés exactement. Je vais essayer de monter pour voir s'ils sont pas là-haut. Je sais pas où ils sont. Hein. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, j'ai un allié ici. Je mets du gaz ici, on fout un peu le bordel. On l'a eu. Où est la mine? Ouf, où ça fait mal. Ok, ok. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Yes. Mes alliés tiennent. On peut se le faire. Bon, on me l'a piqué, mais bon, c'est tout.
voyez, vous pouvez aussi vous servir de votre truc, pas forcément pour vous, pour il et les autres, mais pour vous rajouter plein de vie. Regardez ma vie en bas à gauche, elle est super élevée par rapport au reste, et ça vous permet aussi de vous TP, donc de gagner de la speed dans tout ça. Oula, il est en berserk, faut que je me casse. Ah, il est en berserk. Il m'a oublié. Ça va. Ça se passe plutôt bien. Oula, je suis ciblé. Je mets mon gaz avant que ça finisse mal. Voilà. Hop là. J'aimerais un... Ah, voilà. Hop, ça me rajoute de la vie. Je peux repartir. Ça va, ils sont réactifs, mes alliés. Ils me couvrent bien, donc je peux bien les couvrir aussi. Yes ! On en a eu un. On repose notre gaz. Yes. Oula. J'ai un spectre au cul, je crois. On va aller rechercher un peu de boubou. Hop. Voilà, on est bien. Ah, la partie se passe plutôt bien. Hein. Oh, il a besoin d'aide. Hop là. Voilà. Et je mets mon truc derrière pour plus qu'il soit vu par les ennemis. Ok. Par contre, je suis clairement ciblé. Donc on se casse très très vite avant que ça finisse mal. Il m'a suivi. Je le sais parce que j'ai les tics de mon gaz. Ok. Yes! Ça se passe bien. On va remettre du gaz. Oh, je crois que je vais y passer ce coup-ci. Je les ai énervés. Hop là, une petite esquive de la bouboule. Merci l'allié. J'ai un allié qui le chasse, donc je vais être bien. Hey, c'est un berserk, ça, ce que je suis en train de faire. Hop, gaz. C'était limite, ça. Je me rajoute la vie avant que ça finisse mal. Oui, on a win. C'est ça que c'est bon. Donc, vous attendez pas à faire des carnages avec ce personnage-là, mais vous êtes quand même très survivant grâce au partage de heal et au partage de bouclier. Du coup, vos alliés restent en vie, vous aussi. Vous foutez le bordel sur le terrain, et ça se passe plutôt bien. 4-9-0, s'il vous plaît. Pour un healer, c'est pas si mal. Allez, je coupe. Je trouve un mode raid et je vous montre aussi le gameplay en mode raid. A tout de suite. Et nous y voici pour un mode raid. Donc je rappelle, le mode raid, c'est le mode où on doit faire passer le drapeau. Et donc le healer a un petit intérêt quand même, c'est qu'il peut poser son gaz derrière son pote qui passe les drapeaux pour pas qu'il soit vu. Ou faire le contraire, mettre du gaz avant que l'ennemi passe les drapeaux. Comme ça, il prend des dommages en permanence. La seconde. Donc, je sais pas si YouTube fera le rendu HD pour le moment venu, mais si c'est pas le cas, vous m'excuserez. Ça viendra dans la journée, certainement.
Allez, c'est parti. Donc moi, ce que j'aime bien faire dès le départ, c'est foutre le bordel ici. Comme ça. Comme ça, ça met un petit peu la max pour mes alliés. Voilà. Ouh, je me mange tous les murs. Qu'est-ce qu'ils font avec le drapeau là? On va pas comprendre. On va pas comprendre. Ah, il est là-bas le drapeau. Faut que j'aille lui couper un peu la chic là-bas. Comme ça. Hop. Je mets tout ça là. Vous voyez, là, ils prennent des damages en boucle. Il arrive pas à passer parce qu'il sait pas où il va. Ah, je suis chassé. Hop, je me casse. J'ai oxy quelqu'un grâce à mon gaz. Ok. J'ai le drapeau? Oui, j'ai le drapeau. C'est parti. Oh, je vais pas... Oh, oh, oh. Il m'a blast. J'ai du mal à passer. Ah. Je l'ai pas vu venir. Allez mon grand, continue comme ça. Ouais, c'est un bon pattern ça. Qui est? J'arrive. Je vais venir t'aider. Vite, vite, vite. Avant qu'il meure. Ah, c'est pas passé. Je mets du gaz derrière. Mets du gaz là où il est le drapeau. Voilà. Je prends le drapeau si je peux. C'est bon, j'ai le drapeau. Je me casse. Ok, ça le fait, ça le fait. Ils m'ont pas vu. Ah, il y a un autre healer qui a la même technique. Ouais, yes. J'ai réussi à le passer quand même. Hihihi. Rapide et efficace. Bouah ! Où est le drapeau ? Ils l'ont mis où ce coup-ci, là-haut ? Ils l'ont mis là-haut. Hop, voilà, j'ai mis du gaz bien partout pour foutre ma merde. Wow, 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 wow. Vite ! Faut aider le... Non, j'arrive pas à aller vers lui. J'arrive pas. Si, 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 peut-être. Non, toujours pas. J'arrive. Oh, il passe trop les coins, j'arrive pas à le cibler. Hop, je mets du gaz derrière. Je vais t'aider, copain, je vais t'aider, copain. C'est l'ennemi qui l'a. Yes, c'est bien les gars, prenez-le parce que j'ai pas d'endu, ça sert à rien. Je suis passé en bas à récupérer de l'endu, parce que quand vous rentrez dans l'eau, ça vous rend votre endurance. C'est par là-bas. On va essayer de couvrir un peu. Hop. Hop là, voilà, on gaze un peu tout le monde, on fout le bordel. Oh, oh. Ils aiment pas qu'on prenne quand on attaque les... C'est ce qui est normal, hein, c'est ce qu'il faut faire. Faut attaquer les poursuivants. Nana, c'est pas bon ça. Faut lui enlever le drapeau, les gars. Ils veulent pas lui enlever le drapeau. Oh. Ah, on peut pas toujours gagner. Hein.
on peut pas toujours gagner. Allez, j'y crois encore. Il reste la dernière manche. Vous voyez, à chaque fois, c'est des manches de 4 minutes. Qui peuvent durer plus longtemps. Elles peuvent. Pourquoi j'ai suivi ce mec? Pourquoi? Ah, mon pote Alga... Ah, lâche-moi! C'est pas moi la cible, mec. Oh là 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 là, j'en ai énervé un, je crois. J'ai plus d'endurance, du coup je peux pas les suivre. Arrêtons de faire n'importe quoi. Ah, j'ai fait nawak, c'était pas prévu. Je te tiens, copain, c'est bon, allez, avance. Vas-y, avance, mon gars, avance. J'en ai eu un. Hop, on met du gaz. Voilà. On fout un peu le bordel, ça marche apparemment. Ça va pas très très bien marcher en fait. On se prend un petit kill au passage, hein. Ce serait dommage de pas en profiter. Ok, vas-y copain. Y'en a un qui a pas compris le concept du jeu. Il tire sur les gens qui suivent pas. N'importe quoi. Ça c'est dommage, hein. C'est le petit côté négatif du jeu en fait. Y'en a, ils ne pensent qu'au kill. Et du coup, ils jouent pas l'objectif. Je trouve ça dommage. Bon, après on voit ça dans à peu près tout. Hein, mais... Hop, je vais lui mettre du gaz là-dessus. Voilà. Vous voyez, là, y'a un mec qui joue que le kill, quoi, clairement. Hop, je me sers de mes alliés pour aller plus vite. Bon, bah c'est tout. On termine sur une défaite. Dommage. Mais bon, vous avez compris le concept du healer, quoi. Il a quelques avantages quand même, hein. Le pouvoir de dasher et de se heal en permanence comme ça, c'est pas mal. Le pouvoir du gaz, franchement, très très fort. Ouais, bouère, comme tu dis. Enfin bref, voilà ce qui couvre le garde-brise, donc le healer du jeu. Du coup, je vais m'arrêter là, et je vous dis au prochain épisode pour couvrir le spectre ce coup-ci. Allez, pensez à mon petit abonnement, mon petit commentaire, mon petit like, tout ça, comme d'habitude. Et je vous dis au prochain épisode, les loups. Bisous les rivals.